Faut que je vous dise, j'ai un chien. Fait partie de ces gens débiles qui parlent à leur chien. Mais moi, c'est différent, hein. Je sais qu'il me comprend, hein. Si, je le vois dans ses yeux. Mon chien, quand je vais regarder la télé, il veut regarder la télé avec moi. Alors, je prends son petit panier, je le mets à mes pieds, puis je regarde la télé comme ça en amoureux. Là, je me suis emballée. Mon Raymond, c'est le nom de mon chien, je passe ma vie à l'observer. Et quand il veut chier, il tourne en rond. Je me suis intéressée, j'ai lu des études, il paraît qu'ils font ça parce qu'ils cherchent à s'aligner dans un axe nord-sud. Et le fait de tourner comme ça, ça permettrait de calibrer leur position. Mais putain, est-ce que je fais ça, moi? Non. Et pourtant, je peux vous dire que je suis une fille super alignée, hein. Je suis bien axée, moi. Eh, mais ça veut dire que mon chien, il chie feng shui. Oh. Alors, c'est vrai que quand on sort, il prend des plombes à chercher le terrain idéal. Et des fois, c'est long, mais long. Et alors, quand il pleut, alors là, je peux vous dire que ça me casse la chenèque. Ma veto me dit que s'il est si exigeant pour chercher son lieu de défécation, c'est parce qu'il ne fait pas que déféquer. Il cherche aussi à déposer des informations avec ses phéromones. Dans ses excréments, il y a des informations. Putain, j'ai un chien espion. On dit que les oiseaux se cachent pour mourir, ben les chiens se cachent pour chier. Hein. Parce que moi j'ai remarqué, hein, mon chien quand il veut chier, il commence comme ça, il me regarde et si je le regarde, il est tout gêné. Raymond est pudique. Moi j'ai peur que mon chien il perde sa confiance en lui. Hein. Moi en même temps faut dire, le Raymond là, ça le gêne pas de me suivre moi quand je vais aux chiottes. Hein. C'est un pervers. Irénée, il a son museau entre mes cuisses. J'en ai parlé à ma veto qui m'a dit que c'était normal, que s'il faisait ça avec moi, c'est qu'il était à l'aise. Et bordel, mais moi quand je suis avec mes collègues et que je suis à l'aise, je vais pas leur renifler entre les cuisses. Les chiens, c'est fou, ça passe des journées d'autistes et ça reste heureux. Ils sortent à la même heure, au même endroit, ils bouffent la même chose matin et soir, et cependant, ils ont aucune velléité. Ils sont heureux, il suffit que tu les caresses, ils sont heureux. Et là, ils sont fous. Bah moi, je me dis que ça me fait du bien d'avoir un chien. Et que si l'être humain prenait exemple sur le chien, bah la vie, elle fonctionnerait bien mieux. Et dire que si j'étais un chien, j'aurais que 9 ans. Est-ce que le théorème de Thalès peut promener son chien? Il y a beaucoup de punks à chiens. Son chien. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de chiens de punk sans punk? Faut que je vous laisse. Je dois emmener mon chien chez l'esthéticienne.